Vous avez les hémorroïdes, ça fait combien de temps? Presque 4 ans. Hein? 4 ans déjà. Notre maman est en train de marcher là-bas. Oh mon Dieu. Vous êtes ensemble? C'est qui pour vous? Hein? Je vois rien bloqué. Mal aux yeux. Rien bloqué, ça veut dire quoi? Dis comment tu as vu là. J'ai les boules ici là. J'ai les boules ici là-bas, ça me fait mal. Au nom de Jésus-Christ, vous deux, vous êtes guéris. Est-ce que vous croyez en ça? Merci, vous croyez? Merci, papa. Merci. J'ordonne à l'hémorroïde de disparaître maintenant. Ça monte et ça ne revient plus dans le nom de Jésus. And never comes in Jesus' name. Tiens, au nom de Jésus. Regardez, les gens ont l'espoir. Lorsque quelqu'un quitte sa maison pour venir à une nuit de prière comme celle-ci, il a l'espoir. Il a les hémorroïdes, il quitte de sang mêlima. Pour la guérison. Nous allons prier maintenant. Il ne rentre pas avec les hémorroïdes. Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord? Amen. Tendons la main vers lui et vers maman. Ordonne à l'hémorroïde de disparaître maintenant. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus' name, amen. Père, il est guéri. Father, amen. Maman est aussi guéri. Amen. Au nom de Jésus Christ. In the sovereign name of Jesus Christ. Hémorroïde, va-t'en, va-t'en. Go. Allez aux toilettes. Go to the toilet. Courez, allez vérifier. Run. Go and check. Courez. Run. Maman, vous êtes libre. Marchez. Mom, personne free. Ne rentre paralysé aujourd'hui. No marchez. Goes oui, je le vois. Jesus. Oui, je les vois. Ils étaient parmi les peuples. Ils sont les boulangers. Est-ce que quelqu'un peut célébrer notre Jésus? C'est Jésus qu'il faut remercier. Merci, papa. Merci. Grand merci, mon père. Il faut dire merci à Jésus. Merci, Jésus. Moi, merci, je suis papa. Merci. Grand merci. Le bout. Merci, Jésus. Le mot me manque, maman. Pardon. Le mot me manque. L'église, c'est bizarre. Vous êtes bizarre. C'est ans. Regardez les miracles qui sont en train de s'opérer. Je ne parviens pas. Hein? De le micro. 17 ans, mon père. 17 ans. Combien d'années? 17 ans. 17 ans. 17 ans. 17 ans. Pas moyen de marcher. No way to walk. Wow. Depuis, donne le micro là-bas. Give the mic there. Ça, c'est ma grand-sœur direct. Hein? C'est ma grand-sœur. C'est votre grand-sœur. Oui, on souffre de même maladie. Oui. On a 18 ans aujourd'hui. 18 ans. On n'arrive pas à marcher. We can't walk. Je me pique. Venez, on m'a 17 ans, ne marchez pas. Venez, venez. Years. Suivez-moi. Follow me, follow venez. Me. Come. Venez, venez. Come. 17 ans. 17 years. Depuis qu'elle a accouché son fils. She gave birth to the son. Sa puissance est là. Sa main me touche. Et sa main me touche. Et sa main me touche. Ta puissance. Sa puissance est là. Et sa main me touche. Sa main me touche. Venez, venez. Il n'y a pas de problème, Bétiné. 17 ans. 17 years. Comme ça, là, 17 ans. Depuis que j'ai accouché hein? L'enfant que tu vois là. Depuis que j'avais accouché l'enfant. Oui, j'ai accouché l'enfant, s'il a fait 2 ans. Un 25, un 31 décembre. Je rentre du marché. On était à 2. On était à 2. J'arrive à la maison, les enfants s'élèvent, ils me donnent la chaise. Je m'assois, donne-moi un, s'assoit à deux. J'entends comment quelque chose qui entre dans mes fesses. Pap! Pap! Ouais. Je me lève, je soulève mon habit, je dis à ceux que pardon, il y a quelque chose qui m'a injecté. Regarde, je ne vois pas. Regarde un peu, il me dit qu'il y a un truc ici, comme si c'est la pipi qu'on t'a injecté. 2 jours après, je me couche. Le matin, je me lève. C'était venu bloquer ici, comme si on a mis l'eau dans le plastique. C'est là où ma part a commencé jusqu'à aujourd'hui. J'ai parcouru tous les hôpitaux. Waouh! Ça veut dire que c'était une aiguille
de sorcellerie. Sûrement, papa. Hein? C'est venu maintenant bloquer ici, là, tous les deux côtés, ici, là, c'est comme ça, c'est dur comme plus que le caillou. Et aujourd'hui, le Seigneur vous a redonné le pied. On n'avait même pas le poids. Grand merci, Seigneur. On n'avait pas le poids. Je n'avais même pas moi le corps que vous voyez là. C'est quand la maladie là est entrée sur moi. C'est la maladie qui nous a rendu comme ça. D'accord. Vous deux, vous êtes délivrés. Votre poids normal sera retrouvé au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mon père. Merci papa. Si notre mère, elle souffre de même maladie comme nous. Quand vous allez partir, comme l'onction est déjà sur vous, hein? Quand vous allez la voir, mettez la main sur elle, elle va aussi guérir. Marchez, venez, venez, qu'on voit encore. Venez, suivez mon panneau. Partons. 17 ans de paralysie.